J'essaie vraiment de donner corps à ce que j'avais expliqué pendant la campagne, qui est que pour moi, les députés des Français de l'étranger doivent à la fois représenter les particularités des Français de l'étranger, les défendre, les faire comprendre aussi à nos collègues et dans les cabinets ministériels pour que ces besoins soient bien compris et bien défendus. C'est aussi apporter une vision internationale à tous les débats qu'on peut avoir en France sur tous les sujets, d'apporter cette sensibilité que nous avons, nous, Français de l'étranger, d'être confrontés à d'autres manières de résoudre des problèmes similaires, et aussi cette façon qu'on peut avoir, ce recul qu'on peut avoir en considérant la France de l'extérieur. Au sein de la commission des lois, puisque c'est la commission dans laquelle je siège, j'ai depuis fin juillet la charge d'une mission d'information pour cette commission sur la transparence dans la gouvernance des grandes entreprises. Et il est bien évident que si on a choisi de me confier la présidence et le co-rapport cette mission d'information, c'est justement parce que au sein de la commission des lois, ils ont bien compris qu'il faut appréhender cette question des grandes entreprises, même si il est question du droit des sociétés français, donc pour applicable en France, que ces grandes entreprises aujourd'hui évoluent dans un monde international, qu'elles mêmes font la majeure partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger pour la plupart d'entre elles, et donc il faut comprendre ce contexte international, et donc c'est à la fois et bien entendu dans ce cadre-là, l'influence de la culture nord-américaine est prédominante par rapport au contexte mondial hein, dans les grandes entreprises. Et donc c'est cette valeur ajoutée-là qui a été reconnue, d'autant que personnellement, j'ai moi-même travaillé non seulement dans le privé, mais en particulier pour une grande entreprise américaine. Par ailleurs, il y a au sein du groupe socialiste une autre mission qui m'a été confiée, une autre responsabilité qui m'a été confiée, c'est que je m'occupe pour les députés socialistes de l'animation du groupe de travail sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Je suis donc la responsable du texte et la porte-parole des députés socialistes sur ce sujet. Et c'est aussi clairement les avancées qui existent et aux États-Unis et puis surtout au Canada sur ces questions. Donc cette approche de quelqu'un qui comprend, qui représente aussi des Français, des familles qui, tout à fait légalement, dans les pays où ils résident, ont pu se marier, avoir des enfants qui sont avec des droits parentaux qui sont pleinement reconnus, et donc d'apporter aussi cette expérience et montrer à la France que clairement ils ne sont pas les premiers à se poser ces questions-là, qu'il faut aussi se tourner vers l'extérieur avant de faire des déclarations un petit peu parfois tonitruantes sur les conséquences de cette loi qui sont, pour ceux qui sont contre, souvent exagérées au regard de ce qu'on a pu voir dans les pays où tout ça est déjà légal. C'est pour ça aussi qu'au sein de la commission des lois, avec le rapporteur du texte pour la commission, Erwan Binet, on a choisi d'avoir des auditions publiques et qui soient retransmises pour une large part sur les chaînes de télévision et en particulier aussi sur le site de l'Assemblée nationale. C'est important que les Français puissent s'approprier ce débat. Il y a des manifestations qui ont été organisées, qui continueront à être organisées parmi ceux qui sont contre et parmi ceux qui sont pour. Mais c'est surtout le fond du débat qui est important, et c'est là où le contexte international, la mise en perspective par rapport à ce qui s'est déjà fait à l'étranger est importante. Et c'est aussi par cette valeur ajoutée-là qu'on envisage notamment, j'envisage notamment l'écriture de certains amendements pour ce projet de loi, puisqu'on a, on a clairement un projet de loi qui est centré essentiellement sur la promesse de François Hollande, l'engagement 31, mais disons très strictement, c'est-à-dire l'ouverture du mariage et donc, par voie de conséquence, l'adoption. Mais il y a d'autres questions qui se posent, notamment que va-t-on faire à propos des familles qui existent déjà pour adopter l'enfant du conjoint? Est-ce qu'on va obliger les couples homosexuels à se marier? Ça serait alors que pour avoir une reconnaissance de filiation, les couples hétérosexuels n'ont pas besoin de se marier, n'ont pas d'obligation de se marier, donc c'est une question à se poser. Et puis il y a bien sûr l'amendement dont tout le monde parle, qui est la question de l'assistance à la procréation pour les couples de lesbiennes. Donc ça aussi, c'est une chose qui est sur la table, et donc on discute de ça au sein du groupe
pour voir exactement sous quelle forme on pourrait faire avancer cette question. Et donc, clairement, la question de l'amendement, de déposer un amendement, est bien envisagée. Je suis consciente que ça a été un petit peu difficile à gérer pour les familles. Fort heureusement, et les consulats, et dans la plus grande partie à travers le monde, les écoles ont très bien fait leur travail d'information auprès des familles. Le ministère avait donné des instructions, donc le ministère d'Hélène Conway, hein, délégué aux Français de l'étranger, avait donné des instructions pour que des situations un peu exceptionnelles puissent être prises en compte, qu'il y ait un traitement au cas par cas des dossiers. Donc toutes les familles ont été encouragées à déposer des dossiers de bourse, même si traditionnellement elles seraient éventuellement hors des critères, pour qu'on puisse examiner toutes les situations un peu exceptionnelles. Donc il y a des accompagnements particuliers qui ont été mis en place. Dans l'ensemble, même si il y a eu un peu des difficultés à certains endroits, on se rend compte que au final, les choses ne se sont pas si mal passées que ça. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui, de toute manière, prenaient en charge les frais de scolarité sur d'autres classes, ont du coup débloqué des crédits pour prendre en charge les frais de scolarité de ces enfants dès cette année. Il y a d'autres familles qui ont réussi à se débrouiller dans leur budget, d'autres qui naturellement ont eu droit aux bourses scolaires. Et donc voilà, même s'il y a effectivement eu quelques familles qui du coup ont fait le choix plutôt que de débourser ces frais scolarités, de sortir leurs enfants du système, mais c'est difficile d'estimer que ces familles l'ont fait vraiment parce qu'elles n'avaient pas les moyens. C'est plus souvent du coup un choix pédagogique, un choix aussi financier des familles de dire à partir du moment où il y a une somme importante à débourser, ils préfèrent mettre leurs enfants ailleurs. Donc ce sont des choix qui de toute façon auraient été inévitables, que ce soit cette année ou l'année prochaine finalement. Donc là, notre priorité maintenant, c'est d'améliorer le système de bourse qui a déjà été... Il y a une réforme du barème qui a été largement entamée maintenant. On a eu une validation par la Commission nationale des bourses où siègent notamment les représentants des parents d'élèves, les représentants des élus, les représentants d'associations reconnues d'utilité publique. Donc ils ont validé globalement un nouveau barème et on est encore en discussion par rapport à des cadrages un peu plus spécifiques par région du monde, par pays. Sachant notamment que les États-Unis auraient peut-être un impact un peu plus lourd que les autres du fait du montant important des frais scolarités dans ce pays. L'idée, c'est d'avoir un peu plus de latitude pour les commissions locales des bourses pour adapter les décisions aussi à la réalité des situations. Oui, partout dans le monde et en particulier aux États-Unis, parce qu'on se rend compte qu'il y aura peut-être un impact négatif sur certaines familles qui sera un petit peu plus important aux États-Unis que dans beaucoup d'autres pays, encore que probablement c'est en Espagne où on verra les plus gros problèmes pour d'autres raisons. Et aussi, j'ai obtenu, ce qui est très important je pense pour les familles aux États-Unis, j'ai obtenu la régionalisation du plafond du patrimoine immobilier. Donc je ne peux pas vous donner exactement les montants de ces plafonds aujourd'hui puisque ce n'est pas encore fixé, c'est encore en discussion, mais le principe a été acté. Auparavant, quand on avait un patrimoine immobilier acquis, donc remboursé, hein, qui était supérieur à 200 000 euros, on était automatiquement sorti du système de bourse, même si on n'avait pas des revenus très élevés. Et très honnêtement, 200 000 euros de patrimoine immobilier acquis aux États-Unis, c'est clairement pas une maison de luxe. Hein. C'est même si c'est un remboursement partiel, je veux dire, c'est pas des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Et donc là, il y avait un problème. On pouvait pas avoir ce même couperet qui était appliqué aux familles qu'elles vivent à Madagascar ou qu'elles vivent à New York, puisque c'est pas du tout les mêmes coût de l'immobilier. Donc là, on a quand même ce principe qui est très important, qui va permettre d'éviter à beaucoup de familles d'être sorties du système par une mesure qui était, par un critère qui était vraiment injuste auparavant. Et donc, on va avoir des plafonds immobiliers qui tiendront compte de la réalité du prix de l'immobilier dans chaque région. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une mesure qui a été prise, je peux en parler juste après, une mesure qui a été prise lors de la loi de finances rectificative de juillet. Ceci dit, il y a aussi beaucoup de fantasmes depuis très longtemps, par rapport à cette idée récurrente que
Un pouvoir socialiste va forcément vouloir taxer tout le monde et en particulier imposer un impôt mondial, ce qui est complètement faux, je tiens à le répéter. C'était Nicolas Sarkozy qui avait fait cette proposition de créer un impôt mondial dépendant de la nationalité et qui soit applicable aux non-résidents. François Hollande avait été très clair sur le fait qu'il était tout à fait en désaccord avec cette proposition de Nicolas Sarkozy. Donc il n'y a aucune intention de notre part de créer un impôt mondial. Par contre, c'est vrai que très spécifiquement sur la question des revenus immobiliers générés en France pour les non-résidents, il y a eu, disons, un alignement sur la question des impôts sociaux, puisqu'avant, seuls les résidents en France, qui avaient un patrimoine immobilier en France, payaient les impôts sociaux CSG, CRDS, en plus de l'impôt type impôt sur revenu, qui en fait est aujourd'hui à 19% en France. C'était les seuls qui payaient ces impôts sociaux, alors que les non-résidents ne les payaient pas. Et donc ça mettait les non-résidents dans une situation privilégiée par rapport aux résidents en France avec un patrimoine immobilier, et ça avait tendance à favoriser chez les étrangers qui sont la majorité en fait de ces personnes qui s'acquittent de ces impôts sur les revenus immobilier. Donc les étrangers non résidents sont beaucoup plus nombreux que les Français non résidents, ça favorisait de la part de ces étrangers une spéculation immobilière en France qui faisait monter le prix de l'immobilier. Donc c'est de là que vient cette décision de mettre tout le monde à égalité sur la question de l'impôt social. Maintenant, j'ai déjà signalé, j'ai essayé de déposer des amendements qui ont été rejetés au moment de la loi de finances, nouvelle loi de finances 2013, et j'ai posé des questions écrites au ministère du budget sur la question de la discrimination qui existe en fait entre l'impôt sur le revenu, donc là on ne parle plus d'impôt social, on parle de l'impôt sur le revenu, entre les résidents et non-résidents en Europe et ceux qui sont hors d'Europe. Puisqu'en fait, sur ces mêmes revenus immobiliers, donc c'est-à-dire revenus locatifs ou plus-value lors de la vente d'un bien immobilier en France, si vous résidez en France ou en Europe, vous payez 19%, donc maintenant plus 15,5% de CSG CRDS. Si vous vivez hors d'Europe, vous payez 33% plus 15,5% de CSG CRDS. Donc là, ça fait une énorme différence. Il y a pratiquement la moitié de ces revenus qui passent dans des impôts. C'est très injuste. Et en plus, à mon avis, c'est discriminatoire entre les Français qui habitent en Europe et ceux qui habitent hors d'Europe. Et donc j'ai déjà soulevé cette question et je continuerai à me battre sur ce sujet pour qu'on obtienne un taux égal pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on mette tout le monde à 19% au niveau des impôts type impôt sur le revenu, plus donc les 15,5% d'impôts sociaux, ce qui ramènerait tout le monde à ce que en tout cas aux États-Unis ou au Canada, à ce qu'ils connaissaient déjà auparavant, avant juillet, c'est-à-dire un impôt aux alentours de 34%. Voilà. J'ai notamment travaillé sur la question de l'internationalisation de la Banque publique d'investissement récemment et la question d'ouvrir vraiment aux Français de l'étranger cette Banque publique d'investissement pour que la France puisse aussi s'appuyer sur les réseaux des Français de l'étranger pour le redressement économique, non seulement pour les exportations, ce qui était déjà prévu depuis le départ dans la conception de la Banque publique d'investissement, mais aussi pour l'investissement depuis l'étranger en France, la relocalisation éventuellement de certains types d'activités et la création de nouvelles activités innovantes par des Français qui réussissent à l'étranger et qui voudraient peut-être créer des filiales. C'est important de bien faire la démonstration qu'aujourd'hui les Français de l'étranger sont très nombreux, que pour la plupart ils sont intéressés à continuer à participer au rayonnement de la France et à sa réussite économique. Et que si on leur en donne les moyens, si on leur en donne des outils simples à utiliser, ils seront les premiers à aider la France, non seulement à exporter à l'étranger, mais aussi à créer de nouveaux emplois innovants dans des secteurs où eux-mêmes ont pu réussir à l'étranger. L'appétit des jeunes Français pour les expériences à l'étranger ne diminue pas et que le Canada en particulier reste un pays qui attire beaucoup les Français. C'est une très bonne chose. Maintenant, c'est vrai qu'on a cette difficulté du déséquilibre, en fait, puisque normalement, le programme vacances-travail est censé marcher dans les deux sens, de manière réciproque. Et le problème est qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de Français qui veulent venir au Canada que de Canadiens en France. C'est aussi peut-être à la France de se poser la question de la qualité de l'accueil
des jeunes étrangers en France et de sa capacité à attirer des Canadiens en France, à leur donner envie de venir passer une ou deux années en France dans le cadre du PVT. Ça sera comme ça, ça sera sur ces bases de réciprocité qu'on pourra éventuellement négocier avec le Canada des augmentations du nombre de visas qui sont accordés chaque année. Je pense que ce n'est pas très raisonnable de penser qu'on puisse exiger du Canada qu'ils accueillent plus de Français si, à l'inverse, la France n'est pas prête à faire des efforts de son côté pour mieux accueillir les Canadiens en France. Je pense que ces programmes-là marchent mieux quand ils sont faits en bonne intelligence sur des bases de réciprocité. Et c'est un des sujets aussi que je compte aborder la semaine prochaine, puisque je serai de passage à Ottawa, spécifiquement à l'invitation de parlementaires canadiens en tant que présidente du groupe d'amitié France-Canada. Et donc c'est une activité une première activité officielle de l'association interparlementaire France-Canada qui est organisée à Ottawa. Forcément, au tout début, les deux premiers jours, on a été assez amusés, je dois dire, dans les rangs de la majorité, en plus de se dire que finalement, au Parti socialiste, on n'a pas l'exclusif des turpitudes et que même de l'autre côté, ils peuvent faire parfois même bien pire. Ceci dit, après quelques jours, c'est surtout l'inquiétude, parce que je pense que ça fait plaisir à personne de voir tout un groupe de parlementaires qui sont plus préoccupés par les problèmes de leur parti que par le travail parlementaire en général. Même si nous avons la majorité absolue et qu'effectivement, c'est vrai, nous pouvons faire passer beaucoup de choses sans avoir vraiment à céder quoi que ce soit à l'opposition, c'est la réalité. En même temps, je pense que pour la qualité du travail parlementaire, pour même le succès de la majorité, c'est important d'avoir une opposition qui fonctionne bien, qui soit capable de nous interpeller. C'est important aussi, parfois, quand on fonctionne en vase clos, on peut parfois être sûr de ses solutions, sûr d'avoir pensé à tout. Et puis, on se rend compte, grâce à un travail de qualité éventuellement de l'opposition, qu'en fait, il y avait peut-être des points de vue qu'on n'avait pas pris en compte, des solutions potentielles qu'on n'avait pas examinées. Et donc, c'est important aussi d'avoir une opposition en ordre de marche pour la réussite du pays, pour le bon fonctionnement de la démocratie. On a déjà, en règle générale, un Parlement en France assez faible par rapport à d'autres parlements européens ou américains, canadiens, avec malheureusement aussi des pouvoirs de l'opposition au sein même de ce Parlement qui sont déjà assez faibles par nature, en plus du fait du règlement intérieur qui avait été mis en place par la majorité précédente. Si en plus on a une opposition morcelée qui n'est elle-même pas en ordre de marche, je pense que c'est mauvais pour la démocratie française, c'est aussi mauvais pour les grands partis. On voit beaucoup beaucoup d'adhésions. Alors, chez M. Borloo, tant mieux pour lui, mais au Front National, c'est beaucoup plus inquiétant. Je pense que ça rejaillit sur tous les grands partis quand des choses se passent aussi mal. Ça rejaillit négatif. Je continue bien sûr à travailler sur toutes les questions qui sont spécifiques aux Français de l'étranger. Donc on a la réforme de l'enseignement français à l'étranger qui va se dérouler sur les deux prochaines années. Donc sur toutes les facettes de l'enseignement français à l'étranger. Ça, c'est une réforme très importante. Il y a la réforme du réseau consulaire qui est aussi très important pour les Français, la qualité du service, sachant que nous avons forcément des budgets restreints. Aussi la troisième grande réforme qui est engagée, celle de l'Assemblée des Français de l'étranger, donc là, qui est question de représentation, de la qualité de la représentation locale pour les Français de l'étranger. Donc je pense que c'est aussi important que cette réforme soit réussie.